Hey! Salut à tous, bienvenue dans un nouveau stream. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je prends suite à Théo pour tout simplement faire un nouveau let's play. Donc, quand on commence, c'est Hollow Knight. Alors, je sais, j'arrive un petit peu en retard parce que le jeu est quand même sorti il y a quelques temps. Mais bon, c'était quand même un jeu que j'avais largement apprécié dans toutes les vidéos qui sont passées là-dessus. C'est un mini buzz, hein, bon, ma foi. Et donc, du coup, j'étais un peu affolé. J'ai fait, ah, bon, ben, c'est trop cool. J'ai un peu de sous. Il est en solde sur Steam. Pourquoi pas l'acheter, tout simplement. Faire un petit let's play dessus. Non, alors, il faut savoir que je connais absolument pas le jeu. Tout ce que je sais, c'est que je sais jouer à la manette. Voilà, bonjour. Mais après, à part ça, aucune idée. Alors, oui, ça, c'était un test. On peut la supprimer d'ailleurs. Voilà, parfait. Alors, nouvelle partie, très bien. Donc, on va commencer au Hollow Knight. Alors, tout ce que je sais, c'est que t'es dans un terme un peu sombre. En espérant que cette vieux jeu, vu qu'il est sombre de base, que mon OBS ne me nique pas et que je fasse pas trop sombre, parce que sinon on va galérer. Mais alors, ça devrait aller. Alors, nous prononçons votre nom avec regret, fierté. Notre instinct primaire, vous avez su le dompter. Nos âmes sauvages ont été rachetées. Un monde offert dont nous pouvions seulement rêver. Extrait de l'élégie d'Alonest par l'érudit Mononon. Peut-être ça existe, je sais pas. Ça m'étonnerait. C'est peut-être un peu sombre. Un peu sombré, hein. J'aurais que je ça juste après. Enfin, du moins, j'essaie parce que je me rappelle plus trop comment faire. Je crois que c'est bien un petit style et tout, c'est classe hein, quand même, hein, en sombre. Bravo, me dites. Donc il y a des trucs bizarres qui se sont passés dans la cinématique. Ah. Donc nous, c'est là, c'est nous. Le petit en bas, là. C'est nous. Je sais, on est trop mignons. On va se faire déboîté, on va mourir plein de fois. Ça va être trop bien. On a la classe quand même. Hein. Allez, c'est parti. Alors, il faut savoir que sur les jeux de plateforme, j'ai un level exécrable. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis vraiment, vraiment, vraiment mauvais. Voilà, ok. Alors, faut savoir que dans les jeux de plateforme, j'ai vraiment un level pourri. Donc, ne vous étonnez pas si on meurt souvent, etc. etc. J'espère que niveau luminosité, c'est pas trop sombre. Ça m'a l'air pas dégueu quand même. Hop, un petit monstre en moins. Tac. Alors ok, à savoir que ça met du feu d'ailleurs, d'accord. Alors attendez, parce qu'on peut faire plein de trucs. Alors quand on claque ça, on peut se régène. C'est pas des trucs qui s'effondrent, donc c'est pas... Oula. Hop. Ouh. Ah. Mais c'est assez sombre hein, quand même. C'est le but du jeu. Qu'est-ce que c'est que ça? Être supérieur, ces mots sont... Pour vous seul... Ces mots sont pour vous seuls. Une grande force parmi nous, canaliser votre âme et accomplir des exploits. D'autres ne peuvent qu'en rêver. Donc appuyez sur B pour canaliser son âme et du coup, se recharger. D'accord, très bien. Ah! Je vais mourir déjà. Ça servait à rien. D'accord, très bien. Porte-là. Ça va, si c'est que de la plateforme comme ça, je peux gérer. Alors c'est quoi ça? Oula, j'ai pris des dégâts déjà. Je m'attendais pas à ça. Hop, 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 hop. Bah, il me semble que le jeu est quand même assez court de base. Enfin, on a quand même de quoi faire un petit stream, hein, mais... Enfin, au moins deux petits streams à mon avis.
mais plus ça semble être assez compromis, donc on va sauter, sautillons, 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 coupons ça. Canalisons. Ah d'accord, ça donne des cœurs bleus comme dans Isaac. Tuto, je te dédie ces cœurs. Alors. Ok. Tout ce que je sais, c'est qu'on peut faire, alors, taper avec X, canaliser avec B et sauter avec A. Alors, il y a sûrement d'autres trucs, mais... Ouais, putain. Pas... Non, attends. Okay, y a pas... J'ai pas de double saut, hein. Je peux pas sauter enfin, en plus à travers le mur comme ça, tac, tac. Non, c'est que du saut droit. Oh, j'ai bugué, c'est pas grave, oula. J'ai eu un petit lag, la truc qui est tombé pile devant moi. Là, est-ce que je peux y aller du coup? Non, que dalle. Que nenni. Là, du coup, on devrait pouvoir repasser facilement. Toi, si on passe par là, c'est pas. Ah, là, il y a le. Hop, hop, hop. Alors, tout ça, c'est une partie que j'ai déjà fait à peu près. Enfin, très rapidement, hein, mais. J'ai un minimum fait. Être supérieur. Ces mots sont pour vous seuls. Au-delà de cet endroit, vous entrerez sur la terre du roi et du créateur. D'accord. Franchissez ce seuil et respectez nos lois. Soyez témoins de la dernière et unique civilisation, le royaume éternel. Allo next. D'accord, ok. Donc apparemment, tout le monde a été éliminé. Et là, on a accès à la dernière civilisation. Au monde. Ever. D'accord, très bien. Bonjour. Je kiffe comment il tombe, ça fait tomber de super-héros. Ça sert à rien, mais... Hein. Hu, ha, hu, 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 ha, hu. Miei, je devais devenir jeune génie dans le jeu. Bon. Alors. Dirt Mode, la ville fantôme. Bien le bonjour, voyageur. Attends. Bien le bonjour, voyageur. J'ai bien peur qu'il ne reste plus que moi pour t'accueillir. Notre ville est devenue très silencieuse au fil du temps. Tous les autres résidents ont disparu. Un par un. Ils ont descendu dans le puits pour rejoindre les cavernes plus bas. Autrefois, il existait un grand royaume sous notre ville. Il est tombé en ruine il y a bien longtemps. Il attire toujours un tas de monde dans ses profondeurs. Richesse, gloire, illumination. Richesse, gloire et beauté. Pardon. Ces ténèbres semblent tout promettre. Fais bien attention à toi. L'air en bas est malsain. Les créatures deviennent folles et les voyageurs sont privés de leurs souvenirs. Peut-être que les rêves ne sont pas de si bonnes choses après tout. Wouah, ça a l'air d'être le fool's ball. Toutes vos fournitures de cartographie seront bientôt ouvertes. Les mecs ont sauté là-dedans. J'imagine que c'est là la suite de nos aventures. Alors. Logiquement, ça serait plus à droite, mais j'ai envie d'aller à gauche. Alors là, maintenant, je suis en terre inconnue. J'ai jamais fait cette partie-là. Alors, attends. 1 1 1. Bien, alors est-ce que la canalisation sert à autre chose que bah que de régénérer des points de vie, ce qui est déjà pas mal, mais ah mon cœur encore. Oula. Faire du tucker en 5 minutes. Oh, y'a un mec qui pleure! T'arrives quoi? Comment je te parle? Hé! Hey. Mais je peux pas lui parler?
Alors ça j'étais pas prêt. Alors attendez. On va peut-être avancer sans buter le monde entier. Dit-il en tuant quelqu'un. Là. Voyageons. J'en ai aucune idée de où il faut aller. Hein. Il n'y avait pas d'indication. Ah! C'est quoi? C'est un villageois? Ah mais attends, mais il est méchant en fait. C'était pas un villageois. Attends, une larve. Un gène de point de vue qu'on a perdu. Hop là. Je peux pas aller la sauver, je saute pas assez loin. Tu dois avoir un moyen. C'est peut-être une des filles de la larve qu'on a vu pleurer tout à l'heure. Hein. Putain. Merde. What? Hit? Hop là. Alors, gamin. Ah! J'avais oublié qu'il sautait. En fait, ça, du coup, c'est les survivants et c'est les mecs méchants. Non. Quand même, respectez-moi. Pensez vraiment m'avoir comme ça? Non, j'ai sauté sans faire exprès. Je voulais aller à la droite. J'ai dit qu'il fallait aller là. Je sais pas par contre que je voulais remonter. Oh putain. Alors. Hop. Alors je sais pas du tout à quoi ça sert ces sous là. Peut-être que les thunes peuvent permettre d'acheter des pouvoirs. Ça serait cool si on a des pouvoirs dans le jeu. Genre pouvoir de téléportation pour aller sauver la larve là-bas. Hop, je te saute par-dessus, normal. Bonjour, bonjour. Et... Putain, prends Bagdad! J'ai l'impression qu'on peut... Ou si même on peut changer d'arme, quelque chose. Ça peut être pas mal. C'était un bâtiment. Alors, Moyal, bonjour! J'avais peur. Bonjour, c'est un plaisir de rencontrer un autre voyageur sur ses sentiers perdus. Tu es petit, mais tu as l'air costaud. Je suis Kairel. Kairel. J'ai une sorte d'obsession pour tous les endroits encore inexplorés. Cet ancien royaume recèle de nombreux mystères fascinants. Le plus intrigant d'entre eux est juste devant nous. Un grand œuf de pierre situé dans les vestiges d'un ancien royaume. Et cet œuf, est-il chaud? Quoi qu'il en soit, il a l'air unique en son genre. Peut-on l'ouvrir? Il y a des marques étranges partout dessus. J'aime tellement un bon mystère. Qui sait? Quel autre merveille se trouve plus profondément en dessous de nous? Ah. C'est pas l'œuf qu'on a vu dans le générique, ça? Si, il me semble. Hein. Il me semble que c'est bien l'œuf qu'on a vu dans le générique. Bien. Cet endroit ne sert à rien, alors. Hormis qu'en fait, c'est la première personne qu'on croise... La deuxième personne qu'on croise qui n'est pas folle. Parce que les autres, je considère du coup que c'est des personnes folles. Hein. Parce qu'ils ont tout l'air d'être comme nous, en fait, plus ou moins. Sauf lui. Genre lui. Il a l'air d'être comme moi. En soi. Il y a les endroits, ça monte et tout. Je suis perdu, hein, déjà. Attends, mais je suis retourné au pont. Une pâte en pierre avec une serrure simple. D'accord, très bien. Donc du coup, il faut qu'on trouve la clé. Est-ce que après, du coup, est-ce que c'est le même pont? Ou s'en a un autre? Ça m'a l'air d'être le même, hein. Oui, c'est ça. C'est pareil.
charger un petit peu. J'ai l'impression qu'on va plus vite un peu en sautant. Alors on est allé à gauche. Essayons en bas. Le monde qui est mort en fait. Après, est-ce que c'est des morts? On va reprendre notre point de vie. Putain, j'ai loupé. C'est pas grave. Ah, on peut descendre encore plus bas. What? C'est quoi ça? Ah, bien le bonjour. Êtes-vous venu pour explorer ces magnifiques vieilles ruines? Ne faites pas attention à moi. J'aime explorer aussi. Se perdre et retrouver son chemin, c'est un plaisir comme chaque, comme aucun d'autre. Nous sommes extrêmement chanceux, vous et moi. Je suis cartographe de profession, et en ce moment, je cartographie cette région. Pouvez-vous acheter un exemplaire du travail que j'ai fait jusqu'à présent? Oui. Une carte peut être une chose utile, mais elle ne pas seule à montrer où vous êtes. Si vous n'avez pas le sens de l'orientation, je suggère d'acheter une boussole à ma femme. D'accord. Alors, attends. J'ai un souci. Non, alors, LB marche. D'accord, ok. Donc, c'est pas du tout marqué. Donc là, on est descendu. Donc regarde, on est à gauche là. Donc, il faudrait qu'on continue un peu à droite. En bas. Logiquement, c'est encore à droite. On va ensuite, on a remonté. On a une salle bizarre. Dans laquelle on va aller. What? C'est un boss. Ah! Je confirme, c'est un boss. Yit! Tiens! T'arrives, gamin! Encore? Quoi? Ils sont pleins? C'était pas prévu ça dans la carte, hein? Je suis pas bien. C'est ça me stresse ces jeux là. Bon voilà, bref, allons-y. J'ai claqué tout mon truc pour rien. Pas très grave. Alors, on a pris la carte. Censé encore aller au fond, 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 fond à droite. C'est quoi ça? Wouah, c'est tellement devenu plus... C'est tellement devenu... Ça a tellement changé l'ambiance comparé de tout à l'heure. Oh bordel. Ah oui, non mais on se trouve vraiment dans quelque chose de complètement différent. Je suis où là? Logiquement, je devrais être... au fond des deux. Non, encore. Je me casse, hein, j'ai pas besoin de l'argent, moi. Je vous le dis, hein. C'est pas par là. J'ai vu le truc gardien, je fais... Oups, c'est pas par ici. Alors, là, on est où? À mon avis, on est au truc à droite, là. En bas. Peut-être ici. Peut-être ici. D'après, si on suit ma logique, on devrait encore monter, on devait monter encore un peu. Pas aller là, hein. Là c'est juste la salle avec truc pour se reposer. Imagine avec symbole coléoptère, c'est régio.
pas y amener, on peut pas y aller. What? Salutations, petite tête. Ça fait une éternité depuis la dernière fois que j'ai entendu la sonnerie de cette cloche. Elle a entendu jusqu'au fin fond du tunnel de Coléoptère. Pour me faire venir jusqu'à vous. Je suis vieux et fatigué. Il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées, mais le son de cette cloche me fera toujours revenir. Cet tunnel de Coléoptère s'entend jusqu'au cœur d'Aulnes. Donc j'ai l'impression qu'Aulnes est un peu la région. Si vous souhaitez les emprunter, aidez-moi de la plateforme, je vous amènerai là où vous voulez aller. D'accord. Alors en fait, c'est un... Ok. Ok, donc... Alors, à savoir que la carte, du coup, j'ai l'impression qu'on ne peut pas l'améliorer. Il va falloir se démerder avec la carte pourrie un peu qu'ils nous ont donnée. Qu'on a payée. Par contre, les sous, ça va devenir un problème, hein, parce que ça part vite. Hein. On en gagne vite, mais ça part ultra vite aussi. Alors, logiquement, voilà, c'est ça que j'avais vu. Ça, c'est la salle du boss. Ça, c'est un boss. Oh merde. Putain. Ah, enculé. Non. Il a brisé mon mental. Non, malaise. Je te jure, j'y vais, je le retourne. Je le retrouve, je le tue. Alors là. À droite. Faites-moi pas chier! Fais pas chier, créature du démon. Je veux retrouver mon cadavre. Alors, on descend par là. C'est à droite. Droite encore. Ah mais non, on n'était même pas à la salle du boss. C'était un mini-boss, même pas. Oh, c'est la merde. Encore au fond à droite. Très bien. D'accord, non mais c'est ultra la merde alors à faire. C'est juste moi qui ai fait le con à la fin, je me suis dit bon allez yada. Soulé, mais en fait c'était pas la bonne idée. Putain de... J'étais pas dessus. Ça commence. Mon niveau prend le dessus. Mon niveau exécrable. Bien le bonjour. J'ai passé toute la salle, donc là normalement je devrais descendre. C'était pas sur la carte ça. Mais c'est à droite, à gauche que je dois y aller. Si je comprends bien, c'est là que je dois aller. Donc là, je retombe ici, et là du coup je devrais... Je suis perdu. Ah, attendez, je suis perdu. C'est bon, je suis plus perdu. Je sais où je suis. Ok, si je me sens que je ne peux pas descendre. C'est bien ça. On a remonté du coup. Donc on est là-haut. Et si on essaie de passer par la gauche, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'à part se faire des choses. Putain! Je suis désolé. À part se faire des choses. Des moustiques. Cette connerie là, bonjour. Il est mort. Mort pour ses péchés comme Optimus Prime. Hop là, le petit dodge. Pour plaisir. Bon. Bonjour, bonjour, salut, check, la famille, des amis, tout ça. Alors, ça, je te casse. Hit. Ok. C'est la première fois réellement que je joue à un jeu aussi. Enfin, comme ça. Dans ce style-là, du moins. Salut mon collègue.
plein de moustiques. On récupère un petit point de vie. J'ai vu qu'il y avait un banc, donc on va se reposer au banc qu'on avait vu juste en dessous. C'est par là. Je vais pas devoir le refaire. Non, c'est bon, je peux passer. Prends deux dégâts, s'il te plaît. Oh, c'est le feu. Attends. Oh, c'est le feu. Une source d'eau. Oh, et... Oh, c'est trop bien. Ok. C'était rigolo, ça. Par là. Plus, on a été trompé de chemin, mais au moins, on a récupéré des points de vie. Donc là, logiquement, si je prends pas... Si je fais pas trop le con, je peux atteindre le boss au fond. Ça fait des bruits de cochon, ça. D'accord, mais là, du coup, la source d'eau, elle m'a remis bien. Là, j'étais pas trop bien, tu vois. Genre, j'étais en mode, ok, mais on peut faire mieux. Tu vois. Là, avec la source d'eau, ça m'a remis en mode, oui, tu peux tout baiser. Alors, c'est par ici, en dessous. On va éviter de se prendre des grosses bouches. Tomber comme un mongol. Putain, ça te follow loin. Hein. C'est quoi ça? T'es plus gros que l'autre, toi. Oh, pou. Putain. Voilà. On va pas chier. On redonne de l'énergie. Je me suis perdu, je sais plus où je suis. Putain, mais j'ai dû louper la sortie en fait. Je suis où? Il y a un endroit où j'ai pas dû prendre. C'est quoi ça? C'est un boss? What? Non! Non! Qu'est-ce que tu veux que je fasse contre. Viens, viens, t'as des couilles. Tiens. Ok. Ok. Oh oui. Tu vas du tout aller au bon endroit. Wouh. J'ai perdu la moitié de mes points de vie. Oh non. Attends, j'entends quelque chose qui rigole là-bas. Là, je peux pas y aller. C'est un clairement de sa maison, mais on peut pas y aller. Nous avoir un chemin plus loin. J'ai vu, ne vous inquiétez pas, on y va. Oh, Tayo. Oh, tu es un lourd dos, tu manies ton aiguillon comme une massue. Jusqu'à où de mon année? Boko, à qui es-tu? Ah, je vois, cet ancien village que... Il y avait temps de m'aguider jusqu'ici. Tu m'avais pas trouvé, je ne pense pas que j'aurais pu me réveiller. Si, habituellement, je vis une vie monotone à Dirtmoons. L'air dans ces ruines ne me réussit pas. Je ferais mieux de rentrer chez moi. Tu peux venir me voir si tu remontes, toi aussi. Je suis probablement le village le plus amical qui reste. Et je pourrais te remercier convenablement pour ta bonne action. D'accord. Un pot, c'est donc c'était un bro. En fait, genre, j'ai envie de revenir là-bas parce que je veux récupérer tout à l'heure le fait que je sois mort. Si je peux retrouver le chemin, ah, moi bien. On va pas retraîner dans la source chaude. Hein.
pas d'autre chemin, non, c'est plus comme ça. Parce que... Où c'était qu'il fallait que je passe? Genre j'arrive même plus à me repérer, c'est bon, c'est fini. Par contre, c'est marrant de casser les trucs derrière. Genre tu sais que ça m'amuse trop, hein. un levier. Que je ne peux pas casser, visiblement. D'accord. D'accord, d'accord. Bon, du coup, par là, là, mieux, mieux, là, logiquement, je devrais m'opérer. Je sais où je suis, c'est bon. Merci. Alors, attends, parce qu'on va retourner là, ça ferait gêne un peu. Se reposer parce qu'il faut qu'on a un gant. Je reviens encore. Parfait. On a régénéré un peu de points de vie. Alors certes, on en avait perdu, j'en avais perdu qu'un. C'est toujours utile. Alors, putain, les boss ont l'air ultra hardcore hein, quand même. Je peux pas dire, mais celui en bas, la truc là, la mouche. Ah, il est là mon cadavre, salut. Quoi? Je savais pas qu'il m'attaquait. Salut. On est obligé de se battre, hein. Ah, t'es un mec comme ça. Zut! Zut! Allez, t'es trop lent, Billy. Trop lent! 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 Arrête! Tu te fais du mal! Franchement! Oula! Regarde, 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 regarde ce qui est en train d'arriver! Regarde! Oh, je t'ai brain! Oh! Je loupe mes coups depuis tout à l'heure. Oui! Il est mort! Y'a rien qui sort de son cadavre, c'est bon? C'est bon! Ennemi passé, next. Une facilité déconcertante, pas du tout. Alors. Ok, c'est bon. Ils sont morts. Alors là, c'est logiquement sale. C'est logiquement la salle avec le crâne. Alors peut-être que vous entendez voir, mais il y a pas mal de bruit de fond. Vous devez entendre un minimum, mais... C'était parce que lui, il marchait. Non. Ça doit être ça, la salle. Ah, c'était ça, les bruits de fond que j'entends. What? Pardon, c'est je reçois un message de Soch. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors je me doutais qu'il allait avoir un boss. Mais déjà... Ah putain! Je pensais pas qu'il allait être comme ça! Si ça allait mettre trois coups, qu'il saute. C'est quoi son pattern? Je suis dans la merde. Je peux pas dodge. Ok, il va reculer. Quoi? Non mais genre, jamais, monsieur le juge. Il... Oh putain! Et... Non! Faut pas partir, fils de pute! Et... Oui! Déboîte-le! Tiens, 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 tiens! Quoi? Stop! Hit! Mais sors! Sors, 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 t'as la clé! Taïo!
Fuis, 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 fuis. Da fuck. Oh bordel. C'est quoi ce truc? C'était déstabilisant comme expérience. Alors attends, on se repose avant, parce que je le sens mal. Bonjour. Qui est-ce qui sort de l'obscurité comme ça? Oh bien, tu n'inspires vraiment pas confiance avec ton étrange visage vide et ton arme à l'apparence redoutable. Quelque chose d'important a dû t'arriver dans les entrailles d'Hollow Nest. Je poserai pas de questions à ce sujet. Peut-être que la raison pour laquelle tu as réussi à me trouver, c'est que tu as besoin de mon aide. Elle me donne un sort. C'est quoi? C'est le sort de te téléporter, gamin. Ouais. C'est une idée à la con. Sort consume l'âme. Généralement, on ne prend pas l'ennemi. Alors? Ah, tu es enfin réveillé. Ne pressions pas toutes mes excuses. J'aurais dû te prévenir le pouvoir de ce sort. Je veille sur toi pendant que tu dormais. Oh, oh, maintenant que nous sommes tous les deux réveillés, je me demandais si tu m'accorderais une petite faveur. Bien sûr, ça n'allait pas me rembourser mon cadeau, mais simplement, nous sommes amis maintenant. Non. Il existe une épouvantable et énorme bête qui s'est mis au cœur de cette armée. Je te serais très reconnaissant si tu pouvais la tuer pour moi. D'accord, j'ai compris comment ça fonctionne. C'est craqué. Je peux avouer que je sais pas trop comment j'avance, hein. La meuf, tu sais, elle me donne un pouvoir et elle voit que je meurs 5 minutes après par les monstres qu'il y a juste en face de chez elle. Et là, tu vas voir en mode putain. Chier. Ah, t'imagines la déception. Tu mises tous tes espoirs dans un mec et il meurt 2 secondes après. Ça serait le malaise. Bonjour. Parce que nous, on est bon. Aïe. Alors, je répète. Parce que nous, on est bon. Nous, on ne mourra pas. Ça se régène un peu là, pam, un petit cœur en plus. Toujours visir. Non, putain de porc de merde. Sale porc. Là, là, là. Juré, je vais péter un bon. Là, là, là. Alors, je comprends pourquoi ils disent le support de la manette est fortement conseillé. Ah ma... Putain, il est pas mort! Il faut 3 coups pour le tuer. Quoi ça? Bah voilà, de la régène de vie! Bonjour monsieur le juge. Ah mais non, je l'ai consommé comme un con! J'ai tellement pas par où il faut aller. Ma carte? Ma carte m'aide pas du tout. Putain. Laisse-moi me voler de l'argent. Par là. Allez, saute. Putain. Fais chier de tatou de merde. Casse les couilles. C'est cœur bleu, c'est worse. C'est plus ou moins un bon investissement. Oh non. Pourquoi ma vie c'est de la merde comme ça? Tiens!
Tiens, mange ça, sale bête. La meuf. Ah mais tu es déjà mort. Ah merde. C'est vachement utile que je te donne mon pouvoir, au final. Ah bah, j'ai eu un contre-temps. Là, j'y retourne. Putain de... Ah! Par contre, je me serais jamais douté que c'était un tatou géant, hein, le problème. Il va avoir un endroit pour se reposer là, alors putain. Oh, ce one shot! D'accord, en vrai, cette arme elle est broken. Spou! Bouffe mon âme! Par contre, j'ai l'impression qu'on se prend vraiment un gros. Alors attendez les filles là, parce que vous aimez bien et tout, il n'y a pas de souci. Mais putain, t'as tout de mes couilles. On a une âme brisée. Je suis une âme brisée aujourd'hui deux fois. Car des amours sport m'ont tué. Putain. Je rappelle que le but n'était pas de mourir. À la base. Hein. À la base, je ne devais pas die une fois. Puis, vous avez... Puis on a eu 2-3 contre-temps. Ta gueule. Soulé. Bonjour. Tu veux venir? Merci. Hop, alors. Là. Là. Putain, mais non, je suis jamais dedans. Par là, par là, par là, par là. Là, il y a leur monstre sport. Là, il y a lui. Hop, laisse passer. Un ours. Je sais, c'est plus moustique moustique ours, mais. Tiens. Tiens. Redonne-moi mon âme. Merde. Régène. Bien, j'aurais besoin de tout ça. Au moins au minimum. Parfait. En vrai, c'est gérable. Putain, hormis le fait qu'il faille mettre 3 coups. C'est putain de putois pour les tuer. Ok. Putain. Non. Ok, il me reste un point de vie. Ah putain de merde. J'en ai marre, c'est bon. Ah. Mais vous comprenez, c'est pour comprendre la strat. Ça permet de la comprendre. Une fois que la strat, elle est comprise. Voilà, en fait, j'ai compris la strat. Faut juste dodge et petit putain de truc qui roule. C'est tatou. Mais une fois que t'as dodge et tatou, c'est free. Mais free d'un point. Mais faut les dodge et tatou. Et ça, j'y arrive pas. Je prends dodge 1, 2, 3, 20, 25. En tout cas, s'il tire des trucs en plus, des tatous. Putain de... Moustico de merde. Oui, j'appelle ça Moustico. C'est comme dans Dofus. Nique sa mère. Hein. Toi, dégage. C'est trop dur, hein. Vous savez... Vous imaginez pas, vous avez l'impression peut-être que je suis pourri, hein, mais... Mais vous n'imaginez pas à quel point c'est chaud. Hein.
de revient à moi. J'ai pas trop compris ce concept. Parfait. J'ai toutes mes barres, toute mon âme. J'y mets toute mon âme, mon âme, mon âme. Ok, j'ai loupé. C'est pas le bon plan ce que je viens de faire. Oh, je l'ai défoncé. Alors, les trois trucs. Capture âme. Équiper un charme. Pour activer ses puissants attributs. Pour équiper un charme, ouvrez le menu charme. Pour que vous vous reposez sur un banc. Très bien. C'est fait, mamie. Oh, donc tu as... Tout est réglé. Tu as tué la bête. Cette pauvre bête, elle a dû être terrifiée de toi. Elle était assez docile auparavant. Mais l'errance l'a rendu rangée. Bon, en gros, vivre dans les cavernes, ça l'a rendu casse-couille. Toujours est-il que tu as fait ce qu'il fallait faire. Je t'en suis reconnaissante. Reconnaissant ? C'est un mec ! Bien. Bien sûr, nous savons tous les deux que tu n'aurais jamais survécu sans le sort que je t'ai donné. Oh oh ! Connasse ! Regarde ça, la porte entre nous est ouverte. Oh oh ! Je suis sûr que tu as hâte de pouvoir essayer ce changement. Adieu et confiance. Peu importe. Tu cherches, ça te trouvera. Très bien. Alors, utilise. Augmente la quantité d'âme pour régénérer. En attaquant un ennemi à l'aiguillon. Alors, les gars, on va mettre une pause là. Ouais, voilà. Moi, je suis comme ça. Donc, on va mettre une petite pause. 5 minutes, même pas, juste le temps de boire un coup. Je vais vous trouver une petite musique sympa. Tac. Alors, on va vous mettre. On va y arriver, je vous le dis. Je vais y arriver. 2 secondes. Bon, cela sera très bien. Parfait, on va vous mettre ça. Je reviens dans 5 minutes. A de suite.
Voilà, re tout le monde. Alors, on repart dans Hollow Knight. Donc, du coup, sachez que le live aujourd'hui ne va durer que 2 heures. Vous allez dire oui, mais c'est moins que d'habitude, machin, machin. Vous allez comprendre. Parce que il y a un projet qui arrive en juillet. Et ça durera 2 heures. Et donc, j'essaie déjà d'habituer un minimum au fait que ça dure 2 heures, parce que même moi, d'habitude, je le fais, je me suis habitué à faire plus. Donc voilà, voilà. Sachez qu'en juillet, il va y avoir un petit projet qui va durer 2 heures. J'en dis pas plus. Vous verrez ça quand ça arrivera. Ça sera cool. Ça vous plaira. J'en suis persuadé. Et voilà. Alors, je fais une connerie. Ah non, très bien. Allô, la connexion. Elle est revenue, c'est bon, pardon. Désolé de vous avoir manqué. Si vous êtes perdu, bon, ne pas venir dans notre magasin. Ouf, pour acheter une carte de cette région disponible maintenant à un très bon prix. Il s'est barré. Il s'est barré, il s'est barré. Là. Tout à l'heure, j'ai vu une mine. J'aimerais bien y aller à la mine. C'était là-haut. Alors je vois que la connexion commence à partir un peu en couille. Aussi, je fais ça en même temps pour le projet et en même temps parce que c'est pour des soucis de qualité. Parce que Orange, je ne supporte pas trop qu'on mette des. Ma connexion ne permet pas trop d'avoir des trop longs. De faire de trop longs streams en ce moment, du moins. C'est relou, on fait avec, hein, ma foi, mais bon. S'ils étaient censés avoir. Ah, bah attends, mais du coup, est-ce que je peux pas libérer le farfadé? J'ai loupé. Attends. Non, il faut obligatoirement que j'y aille, d'accord. Très bien. Je reviens, 2 secondes. Voilà, re tout le monde, excusez-moi. Quand on n'est pas tout seul sur la connexion, la tendance à partir très rapidement en couille. Tac, tac, parfait, on continue, on rush, hein. Du coup, j'abuse un peu de mon nouveau pouvoir parce qu'il est un peu broken. Ça m'aurait tellement servi pour buter le boss tout à l'heure. J'ai l'impression que le boss, on pouvait pas vraiment le buter. Le chevalier. Quoique, c'est peut-être jouable, mais compliqué. Alors, c'était là que je voulais aller, moi. Explorons un peu par ici. Ah, rebonjour. Tu cours toujours. Pourquoi ne me rejoins-tu pas ici? Il y a beaucoup de richesses dans ces rochers pour ceux qui sont prêts à se travailler au travail. Ces cristaux là-bas valent beaucoup de géo. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de bien plus précieux caché profondément. Ils peuvent sentir leur odeur, rara, machin, machin. Ils creusent.
C'est sympa la musique qui chantait. Alors, tu sens qu'elle va s'effondrer? Tu sens que ça va s'effondrer? Je peux pas me rester avec cette zone, ne sert à rien. Il va forcément avoir quelque chose. Mais quoi, je sais pas. Passons par là. Ah, ça c'est bien. On va régénérer un peu de points de vie. Parfait. Alors en fait, pour tout vous avouer, à mon avis, vous vous rappelez du chevalier tout à l'heure? Maintenant que j'ai le pouvoir, je pense pouvoir lui latter le cul. Je pourrais pas passer un par ici. Hein. Toujours pas, hein. Non. Maintenant que j'en ai le pouvoir, je pense que je vais lui latter le cul. Parfait ça. Et que une fois que ça sera fait, on va pouvoir voir où ça nous mène. Naturellement, ça va être compliqué prévu, hein, parce que mon plan va se dérouler. Ma tête, mon plan se déroule comme ça, mais bon, après. C'est seulement dans ma tête actuellement. À mon avis, c'est comme ça que ça va se dérouler. Hop, mort. On va se puiser un peu pour un régen. Putain, je peux pas aller dodge. Pareil, on va se puiser, on va se puiser. Puisons-nous, puisons-nous. Alors ensuite, allons terrasser ce boss. C'est quand même plus court de passer par ici en fait. Après, par là, tac, tac. Et il y avait notre collègue le moustique qui bloquait. En fait là après on a juste à tracer là-bas en bas et à retourner en salle de boss car elle est juste là. Alors tout à l'heure on avait énervé. Ouais, non, on peut pas passer par là, donc on est obligé de faire tout le tour. Ok, je m'en serais douté, mais j'ai quand même eu l'espoir. Bon, on va faire tout le tour alors, ma foi, c'est pas très grave. Ça coûte rien. D'accord, repasser par les tentacules man. Donc, pour ceux qui adorent les tentacules, vous serez servi par ces choses là. C'est casse-couille. Enfin, nous on rush. Hein. Le but c'est d'aller buter le boss. Ring pilou, tangilou. En tout cas, j'adore l'atmosphère de ce jeu. Il y a une atmosphère qui se dégage, elle est trop trop bien. Mine de rien, c'est très beau. Il n'y a rien à dire dessus. Assez magnifique, assez content. Surpris, hein. Le jeu m'a quand même pris. Bah, genre, je m'y attendais pas. En vrai, hein, je peux vous prendre. J'avais regardé juste que ça avait fait pas mal de. Il y avait pas mal de gens qui étaient live dessus. Je m'étais dit pourquoi pas moi, enfin, peut-être que ça peut être sympa. Au final, je me retrouve agréablement surpris parce qu'il me. C'est le type de jeu qui me gangbang un peu le cul. Genre qui est sorti un peu de nulle part et on était en mode bon. Très bien. Du coup, je suis bien content qu'on se. Qu'on en soit là. Que je puisse vous le présenter. En fait, je suis bien content de pouvoir vous le présenter. Je fais le con. Je fais le trou de balle.
Je vais arriver à la salle du boss sans aucun truc d'âme. Mongol que je suis. Normalement en haut il y en a un peu. Il y a un mec, il faut juste que j'évite de prendre des dégâts. N'en prends pas. Pas de dégâts. Pas de dégâts. Parfait. Parfait, et toi? Ok, parfait. Je fais ce que je veux pour l'instant. Ah merde. T'es plus facile que tout à l'heure, enculé. Allez. Tiens, 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 tiens. Beaucoup plus simple. Hop là. Ton armure te protégera pas, gamin. Meurs. Tiens, tiens. Ils énervent, ils énervent, ils énervent. Bouffe. Bouffe. Ah putain. Pas grave, pas grave. Bouffe. Je pense que c'est la dernière. Tu vas die. C'était pas la dernière. Putain, j'ai loupé. Il est mort. Blason de la ville. C'est donc ça. Le boss qui m'a posé le... autant de problèmes, c'était donc une merde comme ça. Oui. Attends, vous avez vu? C'est trop marrant. Ça s'est barré. Attendez, c'est trop drôle, il s'est barré où? Marrant ça. Ouais, ok, retournons peut-être à la ville, essayer de parler en... Chou, t'es encore plus dur que ton boss. Putain. Je déteste ma putain de vie, putain. Ah non, plus de respawn ici. Je vais devoir aller récupérer mon âme. Oh putain. Je suis con. Retournons récupérer notre âme. Et après, une fois qu'on la récupère, on se casse de cet endroit piteux. Et on retourne à notre ville, voir si on peut réellement rien faire, si on a développé des talents secrets qui peuvent aider la ville. Que autant on a débloqué une clé ou un... Genre, autant de blason de la ville, c'est la clé, en fait, au final... Autant il y a des conneries que j'ai pu faire. Voilà, là c'est où j'ai perdu mon petit cœur, parce qu'il y avait encore une putain de moustique de merde. C'est clairement des bruits de cochon, ça. Hein. Je vais pas passer en bon endroit, hein. Parfait. Ok, ça a buté les deux mouches en plus qui me coursaient. Je déteste buter ces mouches. C'est par là. C'est bon, je me suis pas trompé. Je me suis pas trompé. Je me débrouille plutôt pas mal. Hop, parfait.
Alors attendez, parce qu'on entend quelque chose pleurer, mais avant je veux mon âme. Ah bonjour. Pas vu. Ah, je fais une connerie. Oh, je te récupère. Non, cours, 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 je peux pas te passer, je peux pas te passer. Ah. Putain, mais ma vie c'est de la merde. Je me déteste. Je veux juste me barrer. Laissez-moi tranquille. Pourquoi on me laisse pas vivre? J'aurais rien fait, moi. J'ai un pauvre explorateur à la con qui fait gdaille. J'avais 300 putain de pièces. 300. C'est ce que c'est, 300 pièces. Encore un moyen de me les briser. Putain. Bonjour, meurs. Connais la parole de Raptor Jésus. Toi, ferme ta gueule. Putain de merde. Pas me les briser longtemps. Toi non. Plus tu vas... Aïe. Pas me les briser longtemps. Mob de... On en parle que j'ai plus galéré pour le mini-boss que pour le boss. Non mais... Moi je le dis, après vous en prenez, après vous en faites ce que vous voulez. Hein. Putain. Je sais pas. D'ailleurs, faut que je pense à mettre à jour la programmation. Faut que je pense à la mettre à jour. Voilà. Mon âme. S'il te plaît, mon âme. Là, voilà. En fait, parce que je veux le faire vite depuis tout à l'heure. Je veux juste passer, alors que si je prends mon temps, je l'encule. Voilà, donc maintenant on peut enfin se casser. Non, on a pris du temps. Alors, qu'est-ce qui fait de bruit? Entendu peut-être pas, mais j'entends un... Ah merde. Là. Attends, y'a quoi ici? What? Ok, donc ça annonce rien de bon, on se casse. Moi je sais pas, je vois un endroit et j'y vais tout gaiement. Bah oui, bonjour. Je me présente. L'endroit il m'a fait je te veux pas, hein, dégage. Hein. Ta gueule. La carte. On est là, donc il faut que j'aille à droite. En haut, alors on va réussir à l'atteindre ce village. En haut, en fait, il n'y a pas réellement d'histoire, donc je peux pas trop me situer où ce qu'il faut que je fasse et tout. Sautons, partons, fuyons, mangeons, dansons. Parce que là, pour l'instant, carte, c'est un peu la merde. C'est quoi ça? Une dalle de pierre abordant le blason de la capitale de l'Ouest. Il y a une attache au dos qui permettait d'insérer dans une fente. Donc oui, en fait, c'est bel et bien la clé. En fait, j'en ai complètement terminé à cet endroit. D'accord, en fait, quand j'appuie sur RB, ça le fait tirer directement ma boule. Je savais pas... Ok, ah oui, donc... D'accord, oui, c'est plus simple. On comprend.
On commence à comprendre. Alors, maintenant que nous sommes arrivés au village, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont arrivées? Parce que je suis genre, est-ce qu'il y a une sorte d'évolution du village? Alors, attendez, je vais jeter un coup d'eau. Ah oui, donc il me remercie, super, c'est super sympa. Ça c'est la bébeille. Voilà. Parfait, on fait revivre le village. Encore, il reste encore un bâtiment, deux bâtiments à faire revivre. Très bien. Papa t'es là. Il va partir voir ce qu'on a au fond. Parce que du coup, je pense que la clé que j'ai débloquée, ça me permet d'aller là-bas. Une porte en pierre avec une serrure simple. C'est pas ça. D'accord, très bien. Voyons voir alors ce qu'ils me disent mes amis cartes géographes et tout. Parce que l'autre il a l'air d'avoir terminé. Donc allez vite, on lui rachète une carte un peu mieux. T'as déjà acheté une carte, n'est-ce pas? Normalement c'est mon mari qui... Quelle surprise, il est encore dans les ruines. Il revient là. De temps en temps pour me donner une nouvelle carte à vendre. Je voudrais qu'il passe plus de temps ici, de me tenir en boutique ne m'intéresse pas beaucoup. Vous voyez, parfois me venir me voir avec mon mari qui est toujours en train de travailler. Nous aurons une nouvelle carte. Stock de... Ce qu'il nous reste à vendre. Une boussole. Des plumes. Une épingle à marchand. Je sais pas ce que c'est. Coloptère. D'accord. T'as rien du tout à vendre. Et le marchand... L'ancien, lui, dans sa tête, c'est en mode oui, oui, c'est trop bien, tout le monde est revenu. Alors, machin. Alors, qu'est-ce que t'as avant toi? Clé simple, putain, mais c'est lui qui l'a la clé. C'est lui qui a la clé depuis le début. Il me faut 900. Allons farmer. Donc, pour farmer, il ne faut pas mourir, les enfants. Quelque chose qu'il faut tenir en tête, ne pas mourir. Bien. Une fois que ce truc là est mémorisé, il va falloir que je farme les trucs comme ça. Pas mourir, très bien. Je me suis pris le premier mob qui est arrivé. Hein. Il faut que je trouve des endroits où il y a beaucoup de pierres alors. Ah bah traçons alors. Il me semble que j'en avais vu un tout en bas. Il y en avait vraiment beaucoup. Parfait, mort. Parfait, mort. 900 hein, ça coûte hein. Putain, ça coûte cher en vrai. D'où l'intérêt de battre le boss et de pas die quand tu prends le boss en fait. Parce que le boss il te donne tellement... Quoi ici? Oh non, il y a un remède mec comme ça. Je le sens tellement mal. Je crois qu'il va avoir un boss derrière. Putain. Plus 45, c'est pas mal. Ah ouais, c'était juste ça? C'était de la merde? Je suis full déçu là. Non, attendez. Attends. Je suis un peu déçu là, mais bon. La probabilité que je tombe sur ce truc en particulier. Oh, attends, il a un bouclier lui. Trop marrant. Il m'a fait super mal en vrai. Putain. Alors attends, on commence à avoir des mobs coriaces là. Bon. C'est toujours one shot par mon pouvoir, mais.
C'est quoi ce truc? C'était un panneau. Alors oui, je me tais parce que je suis concentré un peu. Si je peux éviter de die alors qu'il me reste pas énormément de choses à pouvoir avoir ma thune. Même le faire. Je sais comment je suis dans ce passé là. Non! Putain! Ma vie, c'est de la merde. On y retourne. Alors, en sautant, on va plus vite. Ah non, mais alors, je m'attendais vraiment pas à Rodai. Hein. J'ai vu le gars. Au début, je me suis dit, bah, ça va, j'ai passé par-dessus. Ça, ça fait chier, du coup, j'ai perdu tous mes sous. Mais en fait, j'ai jamais d'avoir les thunes. Parce que je vais faire que mourir comme une grosse merde. C'est un peu mon ordre de fabrique de mourir tout le temps. Donc du coup... L'esprit de ce jeu risque d'être un peu compromis. Parfait, avançons. Parfait, continuons d'avancer. Donc cette fois, pas besoin d'aller en haut, juste on trace en bas, très bien. Voilà, voilà, voilà. Bien, c'est droite. C'est pas droite, c'est en bas. Non, ok, je respecte. C'est là. Bonjour. Bonjour. Ouais, nous on est des gens comme ça. Nous on... Voilà comment on clean des boss. Bah les couilles. C'est casse-couille ça. Je déteste ce mob. Putain, mon âme. Mon âme fait pas chier. On se régène un peu. Une porte avec une fente ouverte. Est-ce que c'est le moment d'utiliser ça? Non. Ah. Oh, très bien. C'est le bon plan. Très bien, ok. Donc là, on peut rien faire. Ok. Mais là, ça serait pas aussi gardé s'il y avait rien à faire. On aime la vie. C'est un nouveau lieu aussi. Hein. Alors. Ce qui est cool, je trouve, avec ce jeu, c'est que là, en fait, genre, j'ai l'impression... Juste avec le stuff que j'ai, qui est parfois lichant, hein. Et ben j'ai l'impression, je pense que j'ai quoi terminer le jeu là déjà. Parce que je... Putain, c'est vrai. Que je peux pas grimper là-haut. Pour l'instant, on peut pas y aller. Je pense que c'est la prochaine destination, hein, tout de même. Mais pour l'instant, ça me paraît compromis. Je suis complètement perdu. Je suis désolé si vous entendez un avion. Si vous le savez, j'habite à côté d'un aéroport.
quand on va prendre l'avion, c'est cool, hein, mais vu qu'on le prend pas souvent. Hop, on s'agit de full life. Et ben maintenant, je peux avouer que je suis un peu perdu. Il faudrait que je retourne où il y a toutes les gueules qui sortent là. Où il y a les pénis qui sortent en mode bleh. Parce que, à mon avis, là-bas au fond. Ça me paraît pas dégueu parce que tout simplement je peux récupérer les choses. Je ne peux pas passer. Ça faudra, je sais pas pourquoi non plus faudra que je passe. Mais en tout cas faut que je retourne là-bas parce qu'il y avait beaucoup de cristaux à gagner. Et si je monte à 800, j'achète la clé et ma vie est refaite. Oh, je veux le dire. Clairement. Je monte à 800, je peux m'acheter la clé quoi, et après je refais ma vie. Je m'achète une petite maison en campagne. Ça fait quoi? Attendez, ça fait quoi si on vole là? Oh, un papillon. Oh, parfait, qu'est-ce qu'il nous faut? Merde. Hop, ta mère. Ça s'appelle la démocratie, salope. D'accord, ok. En fait, ça donne pas énormément, hein. Je suis un peu déçu. Hein. Ça va être très très long à choper les 500 et du 800. En fait, fallait juste pas que je die par le boss tout à l'heure. J'étais très con. Par le mini-boss en plus derrière, hein. Ce genre. Je mourrais pas par le mini-boss, je pense que je gagnais. Je terminais. Merde! Ma mère m'a stressé. Il y a ma mère qui est passée derrière, je sais pas si vous avez vu. Elle m'a stressé, elle m'a stressé. Pas grave. Tac, 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 tac. Traçons, traçons. Ça c'est mort. Pardon, je vais baisser un peu ma caméra. Parfait, ça passe. Bon, on passe. Plus on a 500. Il essaie de mettre des coups de tête lui. Voilà donc tout ce que j'avais vu. Donc 515. Ce n'est toujours pas suffisant. Voilà. Laisse-moi. Régène tranquillement, s'il te plaît. Ah, c'est un tout nouvel endroit là. Oh oui. Ça me paraît quand même un peu trop facile. Je sens qu'il va y avoir une douille quelque part. Pas de douille. C'est quand même vachement simple, hein. Bizarrement, il n'y a pas eu de douille. En fait, on est mineur dans ce jeu. On vous l'a jamais dit, hein, mais en fait, c'était un jeu de minage. Voilà, je l'ai bien caché. Attends. Oh! Porte secrète. Encore plus d'argent, très bien. Ça me demande d'aller là. Et là, ah, c'est la source.
La source d'eau chaude. Source de d'eau chaude qui te refait ta vie. Très bien. En tout cas, très bien placé cette source d'eau. Bien, alors allons un peu à droite. À gauche. Allons par là. On a 600. Comme on dit, je roule un peu ma botte dans le métier, quoi. Hein. Vous voulez que je vous dise? C'est honnête. Un nouvel endroit auquel je suis jamais passé. Ah putain, j'ai oublié. Je peux pas monter en haut. En fait, tous les endroits où je peux pas, où je vais pas, je pense qu'il doit avoir des moyens, mais je les connais pas. Ce qui compromet pas mal la chose, en effet. Il est pas mort en one shot? Enfin, un peu déçu là. Hein. D'accord. D'accord, d'accord. Ah, c'est chiant qu'on puisse pas monter. C'est bientôt, je pense, que j'aurai mon sort pour me... pour me TP. En espérant, hein. Si, il y en a un. C'est quand même vachement utile, un sort de dash, mais... c'est pas, c'est peut-être trop demandé. Vous savez que là, qu'à gauche, il y avait ça. Tu as dû se barrer un peu à droite, à gauche. À droite, à gauche. Il y a par la gauche, il y a des herbes de blague. Pardon. Ça, c'est mort. Ia. Ya ya ya, hop, par là, par là, par là. Bon, en fait, elle me laisse pas mal peinard, les mouches. Pas comme ces moustiques là, hein. Eh, les moustiques de merde. Attends. Un nouvel endroit examiné. La voie du pèlerin. Les voyageurs dans l'ouest traversent des terres sauvages, verdoyantes et des bosquets de champignons pour atteindre la ville située au cœur de ce royaume. C'est là que tous les vœux seront exaucés et toutes les vérités révélées. Hein. Salut. Alors, c'était bien la dernière personne sur qui je pensais tomber. Pour tout avouer, je pensais que t'étais qu'un boss d'instance pour Av. Depuis tout à l'heure, j'ai travaillé ma technique, enculé. Alors, je ne serai plus, je vais plus me faire avoir par lui. Je m'étonne qu'il soit mort la moitié. Je peux pas passer par où? Connard que je suis. Putain. Oh putain. Ya. Je peux pas sauter. Sans que je vais die. Vous le sentez vous aussi que je vais mourir comme une merde? Je le sens trop mal. Il va avoir un boss, je suis sûr qu'il va avoir une couille, c'est pas possible. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? J'avais été sûr qu'il allait avoir une couille. Et parfait, ça m'a permis de me régénérer. Donc nice couille. Très bien, on a repris un cœur. On ne va plus mourir comme une merde. What? Il a commencé à avoir trop de trucs à faire attention là. Pas passé loin encore. Hein. C'est vraiment pas passé loin encore une fois.
Je vois un peu plus de points de vie, c'est toujours sympa. Je privilège les points de vie à mes sorts. À mon sort. Je pense que c'est la bonne idée. Après, ça serait peut-être plus rapide avec le sort, mais bon, c'est pas très grave encore. J'en fous un peu de la rapidité, très bien, on peut se reposer. Oh là là, il y a un checkpoint. Un checkpoint. Très bien. Donc fallait bien aller en haut en fait. C'était juste un checkpoint. Merde. Ah. Ah. J'ai trop de trucs à faire attention, j'ai juré hein. C'est vrai que là je suis pas bien parce que j'ai l'impression de marcher sur des pièges toutes les deux secondes hein. Qui est pas tout à fait. Ce qui n'est pas tout à fait tort. J'ai défoncé. Ce serait pas fait à designer des. Il se serait pas fait chier à designer des monstres. Toute une zone comme ça pour qu'il n'y ait rien dedans. C'est pas possible statistiquement. Il y a forcément un endroit que j'ai loupé. Peut-être monter par ici. Merci. Tac, 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 tac. Non, ça sert à rien. Tu vas me dire que tout cet endroit-là, il me sert à chier. Genre tout ça, ça sert à rien là. Les mecs, ils se sont cassés le cul à faire tout ça pour rien. Je peux pas le croire. Ça, par contre, je peux croire beaucoup de choses, mais ça, non. Ça je l'ai fait. Ça en haut je l'ai découvert. Là-bas c'est le checkpoint. Ah, attendez, attendez. C'est le checkpoint. Ok. Une. Ah bah non mais j'avais pas vu, ça continue à droite, à gauche. Non je comprenais pas, j'étais en mode de... C'est sérieux là. Mais c'est... Je réfléchis en tant que développeur. En tant que développeur t'es... Je suis pas fou, il y avait un truc en haut là. Tenez, il y avait une meuf en haut là. Meuf ou mec hein. C'est plus sérieux d'une meuf quand même mais... Je sens que ça va être un boss, mais tellement pète couille à tuer. Elle va sauter de partout, vous allez voir. J'en suis persuadé. Hein. J'étais pas prêt. Hein. J'étais pas prêt pour ça. En fait, le premier c'était une exposition, le deuxième c'était pour une compréhension. Je comprends. Et putain, ça va être. En plus, tu les one shot pas.
putain, toutes mes thunes. Non, j'avais enfin les sous. Putain. J'avais enfin les thunes qu'il fallait. Ma vie, c'est de la merde. Non, mais... Fais chier. Putain de moustique de merde. Pas me laisser tranquille, arrêter de me susurrer le sang. Je jure, je vais me manger, hein. Âme. Pourquoi tu me mets des coups comme ça? Donne-moi mes sous. Oh, ma thune est revenue! C'est un miracle. Tu n'as plus rien y comprendre. Bonjour. En fait, t'as moyen de le choper avant qu'il atterrisse. Maintenant, ça serait pas Mister Kart? Mister Kart! Bien sûr que ça m'intéresse, on est où? Ok, je suppose qu'on est dans le gros carré en bas là. Ouais, jusqu'à là, ok. Juste pour qu'on se situe un peu. Mister Kart, il est là, hein, on en allait là. Hein. Même avec la carte, j'ai aucun sens de l'orientation. C'est ouf. Hein. Bonjour. Je reconnais pas les endroits qu'il me dit. Là. On se régène. Je sais pas. Quoi. On se fait full life. Non. Très bien. Mister Kart, tu m'as donné un endroit. Une carte, très bien. Je sais absolument pas où on est. What? Ok. Je suppose que où va cette meuf? Alors ça. Allez, allez à gauche. Allons à gauche. Sans mourir en espérant. Parce que elle a un grappin, donc c'est genre trop bien. Nous, on est une pauvre merde qui doit marcher là. Attends. Super dangereux. Ah non, j'avais pas vu la plateforme. What? Taras. Fais m'amuser avec tes buissons si tu veux. Putain de. Non. Chier toi. Hein. Encore. Putain. Elle est encore là elle en plus. Arrêtez, vous allez me rendre fou. Elle est là. Attends. Autant c'est un putain de piège hein, ce que je fais. Hein. Autant c'est un gros piège là où je vais. Hein. Un morceau de guet-apens. Hein. C'est gauche. C'est plus haut qu'elle est allée. J'imagine que oui. Je sais pas, elle est juste montée pour l'instant. Pas vu plus. Merde. Ah, et puis elle est à tellement d'endroits différents en plus. Ah. Ça me permet d'ouvrir la porte.
Parfait. Se repose un coup. J'en ai marre. Ça m'a saoulé. Tiens, meurs. Meurs. Est-ce que je peux tracer maintenant? Et elle est où, putain? À mon avis, elle est par là. Hein. Ici. Je commence à peu près à comprendre où elle veut nous amener, je pense. Il était peut-être temps, hein, mais... À mon avis, elle doit être là. Gauche. Parce que si on regarde la carte, si je me fie à mon instinct, là on doit être dans le gros cube. Juste on doit être dans le gros cube à gauche. Normalement. Si on suit ma logique, hein. Ça devrait être par là qu'on va. On peut pas vraiment y aller. D'accord. Je trouve un moyen peut-être d'aller plus haut. Plus haut. Bien sûr qu'il y en a des moyens d'aller plus haut que ça. Le grand penseur a rêvé de la feuille et a créé ses cavernes. Dans chaque buisson et chaque ligne d'esprit. Dune nous apparaît. Ah Dune, il était vachement casse-couille quand même, hein. Alors déjà non, tu remontes. C'est un boss ça. C'est pas possible qu'il soit posé comme ça. J'en étais sûr. Putain. Il va être trop chiant à passer. Hein. Oh. J'ai tellement peu de place. Gêne ta vie tranquille. En fait, ça va. Merde. En fait, on a une toute petite fenêtre. Là, quand il fait ça, on a une fenêtre pour tirer. Je passe de l'autre côté. Faisable, il est faisable, il est faisable. Il est moins dur que l'autre. C'est assez paradoxal parce qu'il est plus loin. Quoi? Ça non plus, je m'y attendais pas. Ça non plus, je m'y attendais pas du tout. Ça m'a un peu fait mal, mais bon, pas. On va faire avec. Putain, je suis retombé. Pourtant, c'était faisable hein, jusqu'à un moment. Puis après, au bout d'un moment, il a décidé de me jeter des trucs à la gueule. Bizarrement, ça c'est compliqué. En fait, j'ai besoin de te tuer, toi. Mon âme. Reviens à moi. Ok. On chauffe.
J'ai été sûr que c'était un boss, hein. Il y a vraiment une gueule. Je peux pas le passer en plus. Ok, peut-être faut que je reste assez près de lui, c'est ça que ça veut dire, pattern. Je comprends. Ok. Bah putain, mais on voit rien. Il est chaud de ouf. Ça n'a pas de range en fait. Si on avait un truc de range, si on était... On avait plus de range, là j'aurais dit oui. Ça fait quand même EZ à faire, tu vois. Mais là on en a pas du tout de la range. Une épée de merde. C'est possible, hein. Je sais pas le contraire. Faites pas dire que c'est impossible. Mais... C'est bien au-dessus de mes limites de joueur. Je suis pas venu ici pour souffrir, moi. MDR, bonne blague ça. Pardon. Hop, hop, vous allez voir. En fait, là, les deux runs d'avant, c'était pour comprendre. Là, maintenant, on a compris. Maintenant, il nous tue plus. Il nous tue plus. Et nous allons le terrasser, vous allez voir. Explose. Parfait. Bientôt, il me reste 10 minutes. Ouais, en gros, c'est la dernière tentative. Reviens là, ma petite âme. Parfait, alors. Buzzbee. Je t'appelais comme ça. Buzzbee, t'es casse-couille. Tu es un boss assez chiant. Non. Fais pas le con. Parfait. On peut mettre un coup. Peut-être faut qu'il fasse son double coup. Qu'on passe par-dessus. Pardon. Même si c'est au prix de deux quelques points de vie. Faut pas que je reste trop loin en fait. Faut que j'apprenne à... Ah putain, j'ai pas sauté. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est taper, sauter, taper, sauter, taper, sauter. Bon, allez, je m'accorde une dernière run. C'est la dernière. Que je m'accorde là. Après celle-là, je stopperai le live quoi qu'il arrive. Très bien, on prend des coups alors qu'on est même pas arrivé au boss. On est déjà pas quand on est full life, mais alors avec des points de vie en moins. Avec deux points de vie en moins. Je me régène un cœur. Si je tue lui, je pourrais m'en régène deux. Parfait, je peux me remettre full life. Allez! Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Allez, viens là, viens de battre, Buzzbee. En fait, voilà. Tiens. Parfait, j'ai compris à peu près la strat qu'il faut adopter. Genre, il va nous faire un gros coup. Voilà, et là à ce moment-là, faut y aller. Et c'est un petit coup qui nous fait là. À mon avis, ça va être un gros. Voilà, hop, parfait. On est bon là. Là, on est bon. Oh. Il est mort pour ses péchés. Oui, c'est la dernière run de l'amour. La dernière run, elle est là. Le pouvoir de l'amour. Voilà. Ah, attends, mais ça redevient des grottes ici, c'est pourri.
que la meuf elle est pas partie par ici, c'est à la base c'est la meuf qu'on doit suivre. Libère, oui. What? Attends, non, c'était un boss. En fait, si tu veux, je te le laisse. Tiens. Et si tu veux, je te le laissais. T'es pas. T'es casse-couille. Tu sais pas, je te le laisse. Mais mange-le, le voyageur, c'est pas grave. Bon, les amis, on va sauvegarder ici. En tout cas, merci d'avoir vu ce live jusqu'à maintenant. Je vous dis à la prochaine. Peace, c'était Dark. Discord, Twitter, vous connaissez le live.